J'ai dit dans mon live stream que si Bordeaux gagnait, je chantais l'hymne roumain pour Alexis Pitou. Chose promis, chose due. Espesha la Roman, car engardash la barbarie des tyrannies. Le 1-2, Pitou, Pitou qui va frapper, c'est contré. But, 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 la but à Pitou, la but à Pitou, 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 je t'aime, Pitou, fais-moi un enfant. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill David Guillon et qui kill l'hymne de la Roumanie. Je suis désolé les Roumains. Je l'ai un peu massacré, ne m'en voulez pas. C'est le cœur qui compte, hein. C'est le geste qui compte. Alors, je vais commencer la vidéo, on va être très clair. Bordeaux a battu Valenciennes en fin de match grâce à un but de Pitou à la 89e minute de jeu. Mais franchement, je suis pas content. C'est la première fois depuis que je fais des débriefs depuis 2016 que je suis aussi en colère après une victoire de Bordeaux. Pour la première fois, je n'arrive même pas à apprécier ce que j'ai. Est-ce que tu te rends compte que je n'en profite pas? Il me rend aigri. David Guillon, tu m'as rendu aigri. Je te promets. Je suis devenu l'aigreur originel à cause de lui. Pourtant, ça avait bien commencé. Je vois le groupe, je me dis, oh, il a fait sortir Ignatenko du groupe. Enfin, il a fallu qu'il se fasse presque virer pour qu'il fasse enfin quelques bons choix. Composition du match, qu'est-ce qui se passe? Badji titulaire à la place de Vipotnik. C'était trop bon pour être vrai, en fait. Il fallait forcément qu'il fasse un truc de merde. Il va me rendre fou, il va me tuer. Il va me tuer, je vais devenir fou avec ce coach. Je n'en peux plus. Vous allez me dire l'importance, c'est les 3 points. Alors c'est vraiment qu'il faut se dire ça pour pas sombrer. Hein. Parce que là, je sais pas comment on a fait pour gagner le match. Franchement, tu me demandes, je ne sais pas comment c'est possible. En fait, j'ai l'impression qu'on a gagné le match grâce à un coup de cul, à la 89e, une frappe contrée, dans un match qu'on n'a pas du tout maîtrisé. Voilà, c'est un hold-up, c'est un miracle. Je suis content qu'on ait gagné. Attention, le résultat ne me satisfait. Mais le contenu, c'est dramatique, en fait, il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on va dire qu'on est bon, qu'on va jouer la montée? Mais là, on va rien jouer du tout. Là, on va jouer au Cluedo, c'est tout ce qu'on va faire. D'ailleurs, si vous me dites qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré par les gens de Bordeaux, eh bien moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes aveugle, vous faites partie de la famille de David Guillon. Parce que là, il y a quand même des questions à se poser. La victoire pourrait nous déstabiliser émotionnellement. On pourrait se dire, on a gagné, donc finalement, c'est peut-être le début d'une nouvelle. Non, c'est le début de rien du tout, en fait. Si on est content de ce match-là, on va nulle part, je vous le dis, on va pas en Ligue 1. Jamais, jamais. Pourtant, un week-end où Ferrari et Bordeaux gagnent, je vous le dis, c'est rare. Hein. Ça arrive une fois tous les 2-3 ans. Ça, c'est une équipe qui a gagné avec la gloire, hein. Carlos Sainz, lui, il a peut-être pas la voiture la plus rapide en fin de course, mais le mec il a été intelligent, il a réfléchi, il s'est dit je vais ralentir exprès pour que les autres derrière ils se battent entre eux, comme ça je vais gagner le Grand Prix. Et bien dans le football, David Guillon, lui par contre il réfléchit pas, il n'y a pas du tout de réflexion, il n'y a rien. Le mec ne maîtrise rien, il ne sait pas où il va, lui-même il ne sait pas où il va. Lui-même je sais pas ce qu'il fait avec cette équipe en fait. Il fait des choix, c'est toujours les mêmes choix, qu'on gagne ou qu'on perde en fait. Changement à la 70e, changement à la 85e, Vipotnik qui rentre toujours à la 85e. Je sais pas, pour faire des pas chassés peut-être, comme ça, je ne sais pas pourquoi il rentre. Encore si le mec, il manquait pas de lucidité, je pourrais dire, bon, au moins le mec est conscient de ce qui se passe. Mais là j'ai l'impression qu'il vit dans une troisième dimension. Il dit qu'il a maîtrisé le match. Ah bah oui, bravo, bravo, on va en parler du match justement, très très belle maîtrise. Hein. Je sais pas s'il entend par maîtrise, mais je crois qu'on n'a pas le même sens du mot maîtrise, David. Ce qu'il aurait dû dire devant les caméras, c'est très simple, ça prend 10 secondes. Écoutez, je trouve la prestation de mon équipe ce soir insuffisante, voilà. Si on a envie d'aller en Ligue 1, il va falloir vraiment rehausser notre niveau de jeu et montrer autre chose. Certes, on a réagi en fin de match, mais encore une fois, on prend ce but et de suite on panique. Voilà, c'est tout terminé. Est-ce que c'est compliqué de dire ça? Concernant le match maintenant, bah écoutez, première mi-temps c'est très simple, il s'est rien passé. Voilà, Valenciennes n'a pas du tout été dangereux, ils ont pas fait, ils ont fait zéro tir cadré en première mi-temps. Nous on n'a pas été mis en danger, on a maîtrisé le match défensivement, ça c'est vrai, voilà, défensivement. Ensuite, juste avant la mi-temps, tout cela est récompensé par un but de Albert Ellis. On va parler longuement de Badji. J'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo parce que je sais que ça va faire beaucoup parler ce que je vais dire sur Badji. Certes, il fait une passe décisive. Je vais en parler, là on va finir juste sur le match. Donc Bordeaux logiquement ouvre le score, il n'y a rien à dire à la mi-temps. Ensuite on revient, le match recommence comme la première mi-temps, jusqu'à ce que Valenciennes sur un coup du sort, tu l'as compris, un but un peu chanceux. Mais à partir de là, ce n'était plus la même équipe de Valenciennes. Bordeaux a commencé à boire la tasse, on était plus proche du 2-1 pour Valenciennes que du 2-1 pour Bordeaux. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est les grandes équipes sont souvent sauvées par des coups du sort, par un peu de réussite. Et ben là c'est totale réussite avec Pitou qui tire limite les yeux fermés, voilà, ça touche un joueur de Valenciennes, le ballon rentre dans le but. Bon, ce que j'ai vu, moi je suis inquiet pour la suite en fait. Hein, parce que le but du jeu d'une saison, c'est pas de battre Valenciennes, c'est de monter en Ligue 1, on est d'accord. Et pour monter en Ligue 1, il va falloir être régulier, il va falloir vraiment proposer un contenu beaucoup plus abouti de début à la fin. On peut pas jouer comme ça par intermittence et compter sur des coups de bol pour marquer des buts. Voilà, je les ai défendus contre Pau, parce que contre Pau le 3-0 était un peu difficile, mais là. Hein, pour ceux qui disent d'ailleurs que je suis toujours chauvin et pas lucide, et ben regardez, la preuve que je suis lucide. Parce que là, je vais pas les défendre. Ils ont gagné, mais ils ont été nuls à chier.
pour moi, on est à 20% de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de produire avec cet effectif. Et en grande partie à cause d'un coach qui, pour moi, aujourd'hui n'est plus l'homme de la situation. Et c'est pas la victoire qui changera quoi que ce soit. C'est mon avis, j'espère me tromper. Je souhaite de tout cœur me tromper. Je souhaite qu'en fin de saison, vous m'envoyez des messages en disant « Tu vois, t'avais dit ça, mais tu t'es trompé. » Vraiment, je vous le jure que je souhaite fortement me tromper. Je vais être très clair, je ne suis pas satisfait d'Aliou Badji. Moi, j'ai vu des Pedro, Migo et Paoletta. J'ai vu des Lilian Lasland. J'ai vu des Sylvain Vultorde. D'accord ? J'ai vu des Kavenaghi. Et moi, il y a des gens qui me disent que Aliou Badji, faut qu'il soit titulaire à la place de Vipotnik. Parce que lui, il montre des choses. Pardonnez-moi, j'ai l'oreille qui saigne. Quand je vois le match d'Aliou Badji, hein, qu'on essaie de s'enlever de l'esprit sa passe décisive, qui est l'arbre qui cache la forêt. Pardon, c'est le bambou qui cache l'Amazonie. Où est passée votre ambition, les gars ? Où est passée votre ambition ? Quel club vous supportez ? Posez-vous la question. Asseyez-vous, réfléchissez. Posez-vous la question. Si on se contente d'Aliou Badji au Girondins Bordeaux, c'est le début de la fin. Ça veut dire que notre club se meurt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'ambition pour ce club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se contente de rester 2, 3, 4, 5, 10 ans en Ligue 2. Laissez Aliou Badji, prolongez-le même. Prolongez son contrat. Parce que le mec, il a fait deux bonnes passes dans le match. Allez-y! Je l'ai vu perdre des ballons, je l'ai vu perdre un duel épaule contre épaule après 5 minutes de jeu. Aliou Badji, je le vois maladroit, il est maladroit, il ne sait pas cadrer. C'est un attaquant qui ne sait pas marquer des buts, c'est quand même problématique, non, on est d'accord. Ensuite, encore plus grave, duel aérien, il est nul. J'ai jamais vu un mec aussi grand qui est aussi nul en jeu aérien. Il ne prend aucun ballon de la tête, et quand il prend des ballons de la tête, il tue un spectateur. Les pieds, c'est pas mieux. Les pieds, mais mon Dieu, l'offrande de David Ashvili, il doit la mettre au fond. Il s'élance comme ça, il s'écroule. Tu te dis, avec sa canne de 2m50, il va réussir à le mettre. Mais non, même pas. C'est pas parce qu'il a fait une passe décisive et qu'il a réussi une passe à Westbeck que il faut se satisfaire du nécessaire. Non, c'est peut-être pas le match pour tomber sur lui. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est le style de match où justement on peut se tromper, on peut se dire que comme il a fait une passe décisive, eh ben finalement il faudrait peut-être qu'il joue plus souvent parce qu'il est peut-être pas si mauvais que ça. Et c'est là où on est dans l'erreur. C'est pour ça que j'ai envie de lancer le débat là dans cette vidéo. Oui, il a des qualités. Oui, c'est pas le pire match d'Aliou Badji de la saison. Il a fait une passe décisive, je suis pas aveugle, je l'ai vu. Pourquoi ne pas essayer Aliou Badji peut-être dans un 4-4-2, hein, avec peut-être Badji en pivot, dos au jeu, pour mettre des remises sur Vipotnik et Vipotnik dans le rôle du attaquant qui marque en renard des surfaces. Attendez que la réussite tombe, vous allez voir que Vipotnik peut marquer 15 buts en Ligue 2. Parce que ça se voit qu'il a le sens du but, ça se voit dans la façon dont il se déplace, dans la façon dont il place ce ballon, le but qu'il met contre Amiens. Badji, il marquera jamais un but comme ça. Jamais un but comme ça. Sa prise de balle, sa puissance de tir, sa frappe chirurgicale, Badji ne sera jamais capable de faire ça. Donc en second attaquant, pourquoi pas? Mais dans un 4-3-3, c'est hors de question de laisser Badji titulaire, on va arriver à rien. On n'ira jamais en Ligue 1. On va arrêter le massacre, on va parler des points positifs. Il y a quand même eu des points positifs, hein. Hein. On cherchait un ailier, mais finalement, l'ailier, on l'a trouvé, c'est Albert Ellis, voilà. Deux buts en deux matchs plein d'abnégation, un match combatif. Voilà. Alors oui, Albert Ellis, je suis d'accord avec vous, hein. On l'a un peu là, quand il est parti, il a envie de se casser, il nous a un peu lâché, en mode, de toute façon, moi, je vaux mieux que les Girondins, il faut que j'aille jouer en Ligue 1, tu comprends. On peut pas lui reprocher son état d'esprit sur le terrain. Parce que sur le terrain, le mec, c'est un combatif. Alors, on va pas dire que c'est le meilleur joueur du monde, mais deux buts en deux matchs, pour moi, il a gagné sa place de titulaire. Il est devenu indispensable, c'est une dinguerie. En deux matchs, le mec, pour moi, il est titulaire indiscutable aujourd'hui, parce que quand tu vois les performances de Livolan, la seule bonne recrue vraiment qui crève l'écran, c'est Pedro Diaz. Waouh, Pedro Diaz est exceptionnel. Pedro Diaz, depuis Albert Hiera, j'ai jamais vu un joueur espagnol aussi fort au Girondin. Vraiment. Si avec Badji, t'étais à 10 sur le terrain, avec Pedro Diaz, t'es à 12. On est à 12. On voyait que lui, je ne voyais que lui. J'ai commenté le match, je ne voyais que lui. Les passes extérieures, les passes intérieures, les passes, les louches. Le mec, c'est un cuistot, il fait des louches comme ça, il dit saupoudre le truc, tu vois. Il court partout, il est partout, il gratte les ballons. Et puis en plus, quand il faut distribuer devant, voilà les cachots qu'il envoie, quoi. Le mec, il peut te faire des passes de 20 mètres, il peut te faire des passes de 5 mètres, il peut faire des passes retournées, il peut faire une passe en fermant les yeux. Ah, moi, je suis tombé amoureux de lui. À la fin du match, j'ai fait un test de grossesse, il est positif, quoi. Dans le débrief précédent, je vous avais posé la question, je vous avais demandé est-ce qu'il faut virer David Guillon après seulement 5 jours de championnat. Il y a quand même des défenseurs de David Guillon, mais globalement, bah, vous avez répondu que oui, qu'il faut virer David Guillon, même après seulement 5 jours de championnat. Et bah, je suis plutôt d'accord avec vous, les cocos, hein, voilà. Mais on peut toujours rêver, hein. C'est l'heure donc de vous poser les nouvelles questions. Une nouvelle question, vous pouvez répondre dans les commentaires et des réponses seront affichées. Je vous répondrai évidemment dans le prochain débrief. Albert Ellis doit-il être titulaire au Girondins Bordeaux? Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Est-ce que pour vous, David Guillon doit absolument mettre Albert Ellis titulaire?
dès le prochain match à Guingamp. Il y aura d'ailleurs un live stream, hein, évidemment. Ce sera mardi, alors pas ce mardi mais l'autre, hein, parce qu'on ne jouera pas à cause de la Coupe du Monde de rugby. Pas de Bordeaux-Caen, il a été reporté au 3 octobre. Mais par contre, sur sa chaîne YouTube, je commencerai Guingamp-Bordeaux mardi à 21h. Il y aura même un multiplex, donc eh ben, je vous attends mardi prochain. Hein. Pas ce mardi, t'as compris, hein, mais celui d'après. Mettez un pouce bleu si tu as aimé ce contenu. N'hésite pas à le partager sur tes réseaux, sur Facebook, etc. Plus on est fou, plus on rit. Mangez des chocolatines, prenez soin de vous. On est où? On est là. Et allez Bordeaux, plus que jamais.